Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media là et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien nous pas perdre de temps, n'a commencé. Cool yeah. Logique là c'est pour te bouer. Dernièrement président est là, aujourd'hui ministre de la République là. Pour nous voir comment Mario a marché. Nous avons déjà dit population, d'ici novembre, décembre, Mario a fini. Faut toute autorité a suivi ça. Le président est là, donc lui au travail a avancé. Je dis à nous-mêmes qui étaient là dernièrement, nous c'est pas le même travail. Je dis à nous tout à l'heure, le tubing est installé. Donc correction a porté pour nous fini. Donc chaque jour qui va, Mario ne font pas vers l'avant. Donc barrage Mario. Donc là, nous avons gardé un travail qu'a fait là. Mais des soudainement, donc il y a un laboratoire national là à côté, il dit tout test normal et qualité béton au besoin, hein, c'est lui-même qui fait. Donc Mario a pas avancé. Donc nos besoins qu'on a et avant l'année 2020 fini, Mario a mis en service, c'est-à-dire qui ça? Un, la barre de l'eau, pour le kimbe de l'eau, pour le fournir dans la période de la pluie, quantité de l'eau besoin. Hein. Deux, les pas de la pluie pour l'alimenter en eau. Trois, et pour le fournir au courant, ouais, tubinio, nous avons gardé là tout à l'heure, nous avons la population a gardé tout tubinio, Mario n'a pas avancé. Tubinio Goutsa vient ajouter dans moi, responsable faculté agronomie, pour tant mettre travail reconstruction locale là, qui était boulé dans le 8-20 pour le 21 juin 2020. C'est en majorité anciens étudiants faculté qui cotisaient pour bailler l'agence. Ils ont fait partie de la Fondation haïtienne pour agriculture et créance économie, FAR. Notre soutien à la faculté d'agronomie, notre à l'université d'État d'Haïti, pour que disparaisse rapidement toute cette nuée noire qui se trouve encore sur les murs de la faculté. Eh bien, la FAR a décidé de contribuer à la remise en état. À la remise en état de la faculté pour faire disparaître tous les dégâts pour que ceci reste tout simplement un mauvais souvenir que nous finirons par oublier. Doyen faculté agronomie et médecine vétérinaire Justin Lucin salue l'initiative là, d'y encourager anciens étudiants yo continuer mener action cap valoriser l'université et éducation en dedans pays. Dans le cadre des travaux de construction de la faculté, la Banque interaméricaine de développement, la BID, a déjà fourni un appui de 13 millions de dollars américains. Ça, c'est pour l'exécution du premier lot des travaux de reconstruction. Mais les fonds ne sont pas encore disponibles pour le second lot qui représente ce grand bâtiment, où on devrait avoir toute l'administration, le décanat, les vices de Ghana, les directions des départements et autres. Donc, il est urgent que la mobilisation soit traduite par des actes concrets comme celui d'aujourd'hui. Dit fin dans la nuit 20 pour arriver 21 juin 2020, la cause faculté agronomie perd du matériel avec documents pour plus passer 12 millions de gourdes, selon sa responsable faculté a expliqué. Je souhaite joindre l'autre accompagnement toujours pour remettre l'institution en campé sous deux pieds. Passé 4 mois campé à cause COVID-19 là, ministère éducation nationale et formation professionnelle relancé lundi 10 août là activité scolaire pour élèves qui ont pour CBI examen l'état. Pour journée mardi 11 l'an, quelques responsables de l'école dans la zone métropolitaine expliquaient comment l'activité a déroulé. Responsable SAYO exprimé sous protocole sanitaire qui établi pour permettre de respecter et appliquer mes barrières et puis protéger Timonio contre COVID-19 là. Normalement, donc nous apprendre les yo depuis apprendre là yo obligé rentrer ensemble avec cache-nez. OK, nous mettez moyen pour laver main yo, donc on capable visualiser, nous gagnons un moyen qui est très pratique donc pour que Timonio capable laver main yo sans que yo pas toucher rien. Nous même dans les pétions, nous gagnons aurait nous toujours été stable puisque nous pas grand pile élève dans classe yo, donc nous gagner ban yo et puis nous pas mettre ban devant bas et à droite trop près tableau pour que professeur ali même donc les la parler donc pour que les et ça va affecter les élèves. Disposition que le ministère a demandé nous pour que nous prenions, c'est-à-dire mettez
de l'eau pour que Timounio lave les mains et ensuite permettre que Timounio chita avec une distance qui respectée. Lundi 10 à 17 août 2020, c'est date qui kembe pour reprise officielle activité scolaire dans l'idée pour clôturer année académique 2019-2020. Ministère éducation nationale et formation professionnelle capable d'arriver jusqu'à suspendre l'école si conseil qui inscrit dans le protocole sanitaire pas respecté d'après responsable. C'est ça, c'est occasion pour responsable de l'EPAIO présenter une vision globale dans quatre projets de l'eau, assainissement et hygiène, cap gain pour réaliser dans la zone urbaine, rurale dans le grand pays. Il y a un appel d'offres qui déjà lancé, rete kounya pour connaître qui fait cap gain pour réaliser le projet ça. Qui visait la population accès à l'eau potable. Le Repanor a sous sa responsabilité au niveau de ces trois départements, un total de 42 communes et 157 sections communales. Pour répondre aux besoins de la population en leur fournissant de l'eau potable et du service d'assainissement, le Repanor comprend des centres techniques d'exploitation directement en charge de la gestion et de la distribution de l'eau dans les villes urbaines, des unités rurales départementales pour des interventions en milieu rural, des opérateurs professionnels pour assurer l'exploitation tant en milieu urbain que rural, et des comités d'approvisionnement en eau potable et assainissement, CAEPA, pour la gestion des systèmes d'eau potable en milieu rural. Gen plusieurs travail qui pourra le fait dans diverses communes dans grand pays à cap joindre financement Banque Interaméricaine de Développement BID pour vin au cap haïtien c'est coopération espagnole côté gen plusieurs branchements qui pourra le passer en bateau et puis qui pourra alimenter dans réservoir Bel Air au cap haïtien entre réservoir Bel Air et rue 24 entre les rues les lettres AEL nous te wè c'est là qu'il y a un plus gros problème d'approvisionnement en eau. Il était nécessaire pour nous apprendre de faire une étude là, et bien pour nous commencer le travail. Donc actuellement là, c'est tuyau qui a posé pour nous capables de faire plus que 3000 branchements. Ça veut dire que pour chaque caillot connecté à réseau d'INEPA, et ou même qui pas fait demande de branchement, et bien à l'ambureau d'INEPA, eh bien, pour faire demande de branchement, et puis m'a demandé, tant pris, consommer de l'eau, les rivières là, dans le robinet, la caillou avec responsabilité. Toute ville au cap de bénéficier de l'eau potable après réalisation de travail. Il y a un travail magistrat au cap avec délégué départemental noir à quoi, cap bon pour la population. Il y a un tel projet, nous pas de cap à accueillir le projet, il y a une façon pour la population cap souffrir et de service là pour bénéficier. Et c'est ça qui fait nous, on te représente nous là. Un effort important et accéléré que le gouvernement, le président de la République là, lui-même, initiant dans le pays, là, et cap haïtien, et paraît bénéficiaire. Et je pense que l'effort si là, il a fait dans le cadre de vigilance, avec détermination du président de la République là, justement, pour le quitter l'autre pays, pour le quitter l'autre département, ou l'autre ville cap haïtien. Ministre PTCA, ingénieur Nader Joasseïs, dit lui encourager tout travail qui n'est pas fait dans l'intérêt de la population. Bel Air, à partir de rue 2 jusqu'à 12, des lettres AL et tout élément rue qui à l'intérieur, le réseau sera réhabilité. Parler de réseau réhabilité, et lui parler de tout, dit n'est pas gagné de gros réservoirs. 2500 mètres cubes qui banon aux environ 600 000 gallons, bien pour nous, si robinet chaque famille au cap bloc à couler dans le robinet. Ça. Responsable n'est pas à faire songer, il a continué à travailler pour permettre à la population de jouer bon de l'eau pour y'a que pour nous faire respecter la loi, particulièrement le décret 26 mai. Qui définit comment pour conducteur circuler sur voie publique là. Faut chauffeur sa licence li y a jour, faut carte d'assurance li a jour, faut immatriculation nationale, plaque nationale la belle. Dans ce sens,
direction de circulation a sanctionné tout chauffeur, tout conducteur véhiculé qui n'a pas respecté le principe de loi pour nous faire respecter la loi au niveau de la circulation. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.